reprendre la partie. Bonjour à toutes et à tous, c'est MamLajZoo et aujourd'hui on se retrouve pour enfin la suite de Minecraft. Ça faisait hyper méga longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait j'ai été capturé par un mec, il avait un jetpack à nectar. Et ensuite ils m'ont emmené dans un ciel et je suis revenu qu'après 20 ans plus tard. Ok, bon, c'est que du pipeau en fait, j'ai eu des problèmes. En fait, c'est plutôt Josser qui a été capturé. On s'en bat un peu les steaks de lui. Je sais pas quand il va revenir, en tout cas il a des problèmes. Lisez la description si vous voulez plus en savoir sur Josser. Bon, tout de suite, je vais vous montrer toutes les nouveautés. Déjà, vous pouvez voir que mon stuff il est un peu bien rangé. Bon, à part là, c'est un peu le bordel. En fait, j'ai tout rangé dans une salle des coffres. Exemple, là, c'est le coffre des blocs. Ça, c'est le coffre du bois. Outils. Armure. Nourriture. Ça, c'est tout ce qui est potion. Et ça, c'est tout ce qui est redstone. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais ça va s'améliorer par le temps. Bon, ensuite, la grande nouveauté que j'ai fait et que vous n'avez pas encore vu, c'est... Voilà. C'est la maison. Elle n'est pas finie et l'épisode va se porter principalement sur cette maison et sur la ferme. Ok, bon, toi, tu vas pas gâcher tout ce que j'ai fait. Oula, 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 oula. Ça commence bien, putain. On va s'occuper de l'intérieur. Oh là là, mais je suis maudit par les creepers. Oui, en même temps, je suis bête, il fallait que je mette des torches à l'intérieur. Voilà, toi, tu dégages. Ah ouais, mais c'est infesté de monstres là-dedans. Ah ouais. Putain, je me suis fait envahir. Oh non, l'enfoiré. Et j'ai plus de bouffe. Ah oui, moi aussi, je suis bête, j'ai pas pris de bouffe sur moi. Allez, viens. Et tiens, on va juste manger notre pomme, là. Carotte. Bon, voilà, je peux courir au moins, c'est ça ce que je voulais. Allez, venez vous fight, les monstres, là. Sortez de ma maison, c'est chez moi maintenant. Il y a le creeper qui me fait peur à l'intérieur. Le creeper, toi, t'es dangereux. C'est bon, il n'y a plus de monstres. Enfin, il n'y a plus de creeper, je veux dire. Eux, c'est des faibles. Bon, vite fait, bien fait, on va prendre des torches parce que là, si ça, ce sera pas une belle vue. En fait, là, je vais mettre un lac. On aura une vue sur un lac. Alors oui, en haut, il y a un grenier. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si la maison, elle est bien faite. L'intérieur, pour l'instant, c'est nul. Je vous le dis. C'est normal, c'est parfait encore. J'ai juste fait l'extérieur. Alors, on va poser dans les endroits les plus sombres. Voilà. Bon, si là, il y a des creepers qui viennent, c'est qu'il y a un problème. D'accord, l'XP est le bug. D'accord, pense pas grave. On va s'occuper du bas et ensuite on s'occupera du grenier. Bon, le grenier, je sais direct qu'il est infesté de monstres. Pas besoin de me le dire. Putain, par contre, ça casse vraiment la tête. Alors, créature hostile, voilà. C'est juste les monstres qui faisaient trop de bruit. Ok, là, il va faire nuit, Non, on va pas se battre. On va faire le truc pour les animaux. Putain, j'entends des Enderman, ça fait peur. Je me rappelle plus c'était qui m'avait dit de faire cette vereille. En tout cas, je le remercie parce que c'est une bonne idée. C'est simple, mais c'est bien fait. Bon, vite fait, on va dormir chez nous, là, parce que j'ai peur. Il va falloir qu'on fasse plus de torches, hein. Pour qu'on illumine un peu là où j'habite. Des chars putréfiés. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben oui, dormir. Voilà. Voilà, maintenant, faudra faire les salles dans la maison. Tout de suite, on va faire des salles importantes, comme chambre. On en est fini de dormir dans l'usine, hein. L'usine, elle est faite pour le travail. Bon, on va falloir faire des salles, hein. Faudra séparer cette grande salle. Ou alors, on en fait un grand salon. Quoique non. On va faire des petites chambres, hein. C'est pas une grande maison de ouf. On va les faire en bois. On va faire des petites chambres, hein. Comme ça, une belle chambre en bois là. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des idées pour ma maison. Moi, je vous les applique tous si j'aime bien votre commentaire. La porte, faudrait plus. Ouais, c'est mieux comme ça. Est-ce qu'on va faire un truc simple ou un truc bien fait? Genre là, on fait une deuxième chambre et après on a plus que ça d'espace. Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Bon, cette chambre elle sera plus grande. Je sais pas à quoi elle pourrait servir. Bon, on verra plus tard. Maintenant, on s'occupe de faire les salles. C'est un peu chaud quand même. Ouais, là, on va faire le salon, on va faire des petites tables et tout. Bon, voilà. Et c'est bon, j'ai fini. Non, je rigole. Attendez, alors. Ok, bon, ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dedans, là-bas, on va mettre notre lit. Parce que ça y est, c'est notre chambre. On va le mettre là. Oui. Il avait ramené de la laine. Pas pour rien. Est-ce que j'ai du colorant? Espérant que oui. On va aller dans notre salle de coffre. On va voir si j'ai du colorant. Je pense pas que j'ai du colorant, putain. J'ai pas de colorant. Il faut aller voir les fleurs. Bon, on va y aller. Il va faire nuit, putain. Là-bas, il y en a des fleurs rouges. Et je pense que si on n'aura pas assez, on prendra des jeunes. J'avais vu encore des fleurs rouges, ils sont passés. Heureusement que la chambre, elle est petite.
Bon voilà, je pense que ça suffira tout ça. On y va. Oui. On a des tapis. Bon, je vais tester ce que... Ça aurait été bien tout en rouge, je trouve. Mais bon, on va devoir faire avec du jaune. Bon, une fois qu'on aura assez de colorants rouge, on changera partout en rouge, ça sera mieux. Bon voilà, c'est pas mal. Bon alors, oui. Les animaux, on va les mettre ici. Qu'est-ce qu'ils font là? Et comment ça se... Ouais, ils ont cassé ma porte. Mais on va aller voir vite fait ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il y a un... Ah ben oui. Tac. Bon, on peut passer comme ça. Bon, pas grave. C'est... En fait, ma machine, elle pourrait marcher, ben tant mieux. Moi qui disais qu'elle ne marchait pas, ben voilà. Allez, faut pas perdre de temps. Une plaque de pression en fin de seconde. Ok, là, on va écrire. Ferme. Ah, voilà. Ferme à animaux. On va s'occuper de cet endroit-là. Déjà, on va laisser l'herbe. Déjà, quand on entre, j'ai pas envie qu'on a des animaux à nos pieds. On va faire à partir de là. Par contre, ça serait un peu chiant parce qu'ils vont faire du bruit, mais en fait, non, non. Je suis un peu bête de dire ouais, ça va faire du bruit ou pas parce que c'est l'usine. C'est normal qu'il y a du bruit. Donc, on sent pas les steaks. Ok, alors là, ça sera le côté poule, allez, on va dire. On va faire gros, hein, parce que on va pas se gêner de faire gros. Il nous faudra des portillons. Alors, oui, on va poser l'échelle qu'on a mis maintenant. J'espère qu'on en aura assez, sinon ça serait bête. Et ça suffit largement. On peut même mettre un dernier comme ça. Maintenant, il faut compter les trucs. Alors, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 d'espace, on va faire pareil en bas. 2, 3, 4. On va faire plus large de hauteur quand même. On va mettre 3, je pense que ça va suffire, 3. Et voilà, on va tout raser maintenant. Ok, c'est parti. On coupe tout. Avec une pelle en diamant, ça irait plus vite. Mais bon. Pourquoi je vois que c'est déjà creusé là-bas? C'est bizarre. On va essayer de faire profond. Hein. C'est bizarre que là c'est déjà creusé. Je suis jamais allé là pourtant. Peut-être c'est un creeper qui avait explosé. Et j'avais juste rebouché le haut. Attendez, j'avais dit 3 de hauteur. Pourquoi là c'est encore creusé? On rebouche. Bon là on va faire le plus profond possible. On casse tout ça là. Je pense que les poules on va les enfermer. Ce qu'on va bien laisser, ça sera les moutons. Parce que les moutons c'est les meilleurs. Et puis je sais pas. On verra. En tout cas, ceux qui seront en bas, ils auront pas de chance. Non, c'est pas grave, je vais mettre de la décoration, les poules. Comme ça soit. Comme ça, ils pourront bien dormir. Par contre, faudra transformer le sol en de la terre. Maintenant, faudra faire tout ça. Ça va être un peu lent. Bon, mais c'est parti. Dommage qu'il n'y a plus au cercle. Ça aurait été aller plus vite. Ok, voilà. Bon, plus qu'à tout rebaucher maintenant. Non, vous inquiétez pas, j'en ai encore. On va prendre le stack, c'est mieux. Et voilà. Bon, ça fait un. On est dans la terre là. On est bien sous la terre. On va juste éclairer là. Ok, bah c'est pas mal. Pour éviter les mobs. Bon, c'est moche, mais. On s'en fout, nous. Ce qu'on veut, c'est la viande. Bon, alors, c'est parti. On va prendre nos portillons. Enfin, nos barrières. Ah ouais, plus en haut, c'est. Ça change, hein, quand même. En haut, on en a un, deux. On en a que deux. Bon, c'est pas assez. Et ensuite, on s'occupera de ramener tous les animaux. Bon, maintenant, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les animaux. Eh ben oui. Bon, on ramène qui en premier? Les lapins? Allez, on est chaud pour les lapins. Donc, pour les lapins, il faut des carottes. Ils aiment bien ça. On a le potager juste ici. On se sert. On va prendre. Tac, ça suffit. Let's go. Petit lapin. On va en trouver rapidement. Là. Il y en a déjà un. Il en faut un deuxième. Ok, on tombe surtout pas là. Eh, viens, petit lapin. Je vais être mon ami. Viens, moi, je vais être ton ami. Tu vas pas du tout être enfermé dans un endroit bien, bien moche là, avec de la terre tout autour de toi là. Ne t'inquiète pas. Oh, regarde, c'est beau chez moi, non? C'est beau? Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis oui. Dis oui. Bon, allez, viens. Regarde le beau endroit. Ah ouais, merde. Attends, je t'ouvre. Allez, viens, petit lapin. T'as les cons, mec. Ah, par contre, ça va être chaud dans le night pour le mettre dedans l'échelle. Allez, viens. Tu le fais exprès, mec. Allez, viens. Ah ouais. Bon, je ne me dis pas que je vais devoir faire ça pour tout. Allez, viens. Regarde la petite carotte, là, viens. Viens, petit lapin. Inabou. Eh bien, putain de... Ouais, tu sais quoi? Le lapin, c'est un spécimen très con. Eh bien. Tu fais quoi, là? Mais viens, putain. Oh, est-ce que tu la vois, cette carotte? Tu vas la ror? Alors, viens. Mais c'est... Oh. Ah, voilà. Ah, moi aussi, je suis bête. Ça, les portillons, j'aurais dû les mettre à gauche. Ouais, j'aurais dû les mettre à gauche. Mais vous savez quoi? Attendez. Tac. On va mettre ça là. Et le portier, on va le mettre à gauche.
Voilà. Pareil pour ici. On va le faire partout. Tu restes bien sage le lapin, d'accord? Et Narbouk. Mais viens. Voilà. Allez, viens, lapin. Non, il n'aime pas les pommes de terre. Lui. Allez, viens. J'ai ma carotte. Voilà. Là, il saute. Hein. Hop, on ferme ça. Ok, là, c'est déjà fait. Allez, viens. Narbouk. Viens, putain. Voilà, là, t'es un gentil. Est-ce que tu peux rentrer dans ça? Ou c'est trop demandé pour toi? Saute. Saute. Arrête de me regarder comme ça, Inarne. Attendez, on va le faire tomber. Bon, il a eu un peu mal le port, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, essaye de remonter, hein. Hein, t'es enfermé ici à tout jamais, espèce d'enfoiré. Ça t'apprendra à m'avoir fait subir. Bon, t'inquiète, tu vas survivre un petit... Je vais te ramener des poteaux. Oh, par contre, viens là, fais pas serrer. Voilà. Toi, on va te ramener tout au fond parce que t'es vraiment con comme mec. Allez, viens. Tac. Bien tout au fond, là, tu vois. L'endroit où t'es le plus séparé de tous tes amis. T'inquiète pas, il y aura plein d'amis. T'auras des vaches, t'auras des moutons à côté. T'auras même en haut, tu les entendras, tu pourras parler avec eux. Bon, par contre, viens et arrête de sauter. Bon, tu l'avais ta carotte ou pas, là? Narbouk. Tu viens par là. Et voilà, tu es enfermé à tout jamais. T'as compris ça maintenant? Eh ben, il en aura fallu du temps, espèce d'imbécile. Allez, reste là. Je reviens. Je vais te ramener un autre lapin. Il va être très gentil. Ah, ha, ha. Ouh là, que toi, tu m'intéresses. Ouh, tu vas être enfermé dans une... dans un endroit très puant qui va puer la chara de vache. Je vous l'assure. Oh, tu vas sentir de la bouse de vache tout à longueur de journée. Fini la... Fini la liberté en pleine nature. Fini. Allez, viens dans mon usine. Ouais. Allez, viens, 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 viens. C'est fou comme les animaux, ils sont cons. Allez, viens. Hop, déjà t'enfermé dans l'usine. Première étape de fête. Deuxième étape, tu viens dans l'enclos. Allez, viens. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va bien t'enfoncer, bien profondément là-bas. Allez, viens, 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 viens. Oh oui, lui, il est plus rapide que l'autre. Allez, viens, saute. Mais saute, imbécile de lapin. Narbouk. Oh, tu vois. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh, viens. Saute. Oui, saute. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux pas le faire. Eh ben, tu sais quoi? Et Narbouk. Oh, il a réussi à sauter. What the fuck? Comment ça se fait qu'il peut sauter? Wesh. C'est pas normal tout ça. Comment ça se fait qu'il peut sauter? Attendez, l'autre lapin, il a pas sauté pourtant. Eh, viens, imbécile. Mais saute, puisque tu sais... Attendez, ce lapin est complètement chelou, quoi. Viens, Narbouk. Voilà. Tu viens là. Bon, allez. Je vais rejoindre ton petit ami. Et voilà. Vous êtes pas contents, tous les deux, là? Alors, toi, tiens. Narbouk. Il veut pas la manger. Il veut pas la manger, putain. Comment ça se fait qu'il veut pas la manger? Mais oh! Mais putain de merde! Ah mais what? What the fuck? Ah mais ils mettent pas de cœur! Ils ne mettent pas de cœur! Ça veut dire que vous m'aimez pas même si je vous donne des carottes. Ok, vous êtes comme ça, bande d'enfoirés, je me tire. Je vous laisse solo. Allez, ciao! Hasta la vista! Trouvez un moyen pour vous évader. Ici c'est prison animaux. Je vous emprisonne, bande d'enfoirés. Essayez de sauter, vous allez voir, je vous bute tous un par un. Allez, moi j'y vais. Ok, allez, viens, toi. Tiens, tu veux du blé? Oh, tu veux du blé? Putain, j'aime pas ça. Oh, parce que j'ai quand même 22 XP, c'est pas mal. Où je pourrais te trouver un ami, toi? Là, t'en as un ami, il est rouge en plus. Toi, on va te mettre en haut, ne vous inquiétez pas, les moutons, c'est les boss, ils sont en haut. Allez, viens. Je te ramène vers ton ami. Vous allez être enfermé à vie. Bah non, puisque vous allez mourir. Enfin si, à vie, parce que c'est jusqu'à la mort. Wesh, tu fais quoi toi? Viens. Ah, j'aime pas ça moi, allez viens. Tu veux du blé, alors viens. Mais wesh, mais viens. Narbouk, viens.
Ah ouais, les lapins, c'était beaucoup plus facile, ils allaient plus rapidement. Ils vont à deux à l'heure, eux. Allez, venez, au lieu de faire Ouais. En fait, eux, ils s'en foutent complet puisqu'ils ont du blé tout autour d'eux. Allez, viens. Mais viens, putain, il fait comme le blanc. Et mais il veut sa mort, ce mouton. Mais wesh. Voilà. On les attend parce qu'ils sont longs comme des limaces, eux. Voilà, j'en étais sûr qu'il allait tomber, ce monsieur. Putain, pète au casse, toi. Allez, rentrez. Quoi, vous avez peur? Allez, rentrez, c'est gratuit. Narbo en manque. Et lui, il mange l'herbe devant. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Allez, venez. Oh, faites pas chier. Eh bien, là, t'arrives pas à rentrer, tu vas me dire. C'est trop petit pour toi, espèce d'obèse. Putain, mais... Et tu comprends ça, venir maison dedans? Tu comprends ça, veut dire quoi, venir? Mais viens, putain de merde. Tout à l'heure, c'était le rouge qui... Mais allez, mais qu'est-ce que tu fais, par pitié, viens. S'il te plaît, je me mets à genoux. Mais cette vache, ce mouton, il a un problème. Viens, putain. Oh, j'ai envie de les exploser leur tête, mais je peux pas. Ah, je vais me faire un plaisir de te tuer quand t'auras un enfant. Et ben enfin, ils écoutent. Mais c'est pas possible, c'est bon, il y a un problème. Il y a un problème dans leur cerveau de merde. Mais wesh, ils ont quoi? Viendez. Venez. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a quelque chose de mal. Vous avez... Oh! Le rouge, tu viens là, le rouge, là? Vous savez quoi? On va déjà ramener le... ce mouton-là. Allez. Putain, c'est... Oh, les lapins, c'était mille fois plus simple, plus facile. Mais c'est... Oh, il me ferme la porte. Il me claque la porte sur la figure, en plus de ça. Il me cherche, ces moutons. Il me cherche. Allez, viens, toi. Fais pas serrer. Et toi aussi, viens. Allez, venez. Mais allez, tu vas me dire que c'est trop... Mais par pitié, viens. Allez, ça c'est trop petit pour eux aussi. Oh oui. Il est passé le bibi. Par contre, tu restes là, toi. Eh, viens, toi. Mais viens, putain. Oh, ils ont des problèmes. Les lapins, eux, ils ont un cerveau. Tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Viens ici. Oh, mais oh, je vais le tuer avec sa tête. Regardez, regardez en plus, là. Regardez sa tête. Viens. Viens, là. Et il comprend pas. Attendez, je vais changer d'item. Je vais le remettre. C'est bon, là, tu m'as vu. Tu m'as pas vu. Putain, est-ce que t'es... Oh, t'as un problème dans tes yeux, tu me vois pas, là. Ou même dans ton nez, là. Tu t'es pas capable de sentir. C'est bon, là, tu m'as vu. Mais wesh. Ça y croit, tant pis. C'est bon, tu m'as vu. Oh oui. Oh oui, c'est bon, c'est la fête. Viens, allez. Oh mais viens. Rentre dedans, c'est bon, j'en ai marre. Mais j'en peux plus. Bon, déjà, c'est sûr que tu vas rester ici. On va fermer ça à clé. Voilà, maintenant essaye de sortir et je te... Oh mais il rentre. Ok, quand je parle, lui il rentre. Mais oh, t'as un problème. Bouge de là. Bouge de là. Oh mais je vais le tuer. Je vais le tuer. J'essaie d'ouvrir là, tu voyais la portière là, j'essaie. Voilà. C'est pas si compliqué que ça, bordel de merde. Ok, maintenant tu peux avoir ta nourriture. C'est bizarre qu'il n'y a plus les cœurs quand même. Il y a un problème. Bon, voilà. Et bien enfin, ils ont fait un enfant rose. Parfait. Il n'y a plus que toi qui me suis. En fait, c'est le plus petit, hein, le plus intelligent, c'est ça. Ouais, crois pas sortir. Bon, voilà. Oh, tu manges pas la nourriture comme ça. Bon, voilà, les moutons, c'est fait. Ensuite. Eh ben, c'est galère, les moutons. J'espère que les poules, ça sera plus facile, hein. Alors, où il pourrait y avoir des poules? J'espère que ça sera pas compliqué à les trouver. Tac. Des poules, mais où il y en a?
Il pourrait y avoir des poules. Bon, on va chercher vite fait. T'as plus c'est loin, c'est plus ça va être dur. Ok, eux ils sont restés ici depuis 20 000 piges, les pauvres. Ils doivent souffrir. Wesh, il y a un mouton orange au calme. D'accord, on n'a rien vu. Bon, alors les poules, où vous êtes? Où vous vous cachez, les bandes de poules? Oh, ben il y a un petit, il y a des lapins ici. Non, il y en a que un. On va pas le tuer au cas où que là-bas il se suicide, le lapin. Ça pue trop là-bas. Oh, toi, viens, viens, toi, viens. Narbo. On va ramener que les deux. On s'en fout de l'autre. On va arrêter de faire. Vous la voyez, les jeans là-bas, les cochons? Eh ben, vous allez souffrir dedans. Dépêchez-vous si vous voulez pas souffrir une tonne. Ouais, oh, allez. Oh, toi, tu vois, je vais d'abord te découper tes yeux avant de te tuer, tu vois. Putain, voilà, mais c'est simple de me suivre pourtant. Allez, viens, sauter. Ouais. On va aller doucement parce que. Putain. Je dis, on va aller doucement, ils arrivent pas à me suivre. Oh, viens! Mais où tu vas? Où tu vas? Où tu vas, bordel de merde? Tu me vois là? Tu me vois? Est-ce que tu me vois? Lui, il est intelligent, lui. Ok. Bon, moi, ce qui est mieux que les moutons avec ces cochons-là, c'est que eux, au moins, ils me suivent. Le mec, il reste sur place, au calme. Allez, viens. Putain de merde, viens. Oh là là, mais c'est des obèses. Bon, tu comprends maintenant le mot venir? Mais putain, mais ce cochon, il est trop con! Mais viens, si tu la veux, ta carotte de merde! C'est pas possible d'être aussi bête. Mais venez, mais par pitié, mais qu'est-ce que vous avez à mettre votre tête là? C'est maintenant que tu viens, imbécile. Tiens, je vais devoir tout réparer. Allez, venez. Oh, mais oh. Je peux pas faire comme l'autre là, venir d'un coup au lieu de me regarder comme ça. Oh oui. Il manque plus qu'à fermer. Non, tu sors pas, non, tu sors pas, non, tu sors pas. On va pas croire que c'est la fête. Comme par contre, vous allez vous marier. Voilà. Un bébé cochon au calme et voilà. Ok, ben il va avoir un foulu du temps. Tac. Bon. Les gens, moi je vous dis. Eh ben. À la semaine prochaine. Non, normalement, la semaine prochaine, ça sera fini cet enclos. Parce que là, sinon, ça va prendre trop de temps. Je vais le faire en off, ça sera plus facile. Et la semaine prochaine, vous verrez qu'il y aura tous les animaux dans leur place. Sur ce, ciao, bye, c'est mère.